Hello everyone and bienvenue sur Zelnikek TV. Cette vidéo will be disponible in two languages. La première partie sera en français and the second part will be in English. Enjoy! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Zelnikek TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter un mini PC de chez Beelink, le EQI12. Il est extrêmement abordable et parfait pour la bureautique. Il contient 32 Go de RAM, un processeur Intel i5-1235U et 1 Tera de stockage en SSD. Comme d'habitude, nous verrons ça dans cette vidéo, mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Allez, c'est parti! Et comme d'habitude, on commence par l'unboxing. On retrouve le mini PC sur lequel je vais revenir en détail après. Le manuel d'utilisation en 7 langues. Le câble d'alimentation. Une fiche guide si vous souhaitez changer les paramètres de l'alimentation USB. Et un câble HDMI. Maintenant, passons au mini PC. Voici la LED de mise en tension, le bouton on-off, un port USB type C, le bouton de reset du BIOS, une prise jack audio, et le premier port USB 3.2. À l'arrière, on retrouve deux ports USB 3.2 supplémentaires, deux prises HDMI, un port USB 2, deux prises RJ45 pour l'Ethernet, la prise d'alimentation et l'extraction de l'air. En dessous, on retrouve deux pieds légèrement surélevés afin de faire passer l'air frais depuis la grille d'aération centrale. Ici, les quatre cache-vis de démontage. Et la languette permettant le retrait du socle. Bon, pour démonter le EQI12, il faut tout d'abord retirer les cache-vis. Puis, avec l'aide d'un tournevis cruciforme, procédez au retrait des vis. Et voilà, ici on retrouve l'emplacement des deux barrettes mémoire. Là, l'emplacement du SSD M2 PCIe 4.0. Et en dessous de cet endroit se cache un emplacement pour un SSD supplémentaire. En effet, le QI12 peut prendre en charge jusqu'à 8 Tera de stockage. Voici le récapitulatif. Maintenant, passons aux spécifications internes. On a un processeur Intel Core i5-1235U de 12e génération, Alder Lake, avec 10 cores et 12 threads, pouvant être cadencé en mode turbo jusqu'à 3195 MHz. On a également deux barrettes de RAM de 16 Go chacune en DDR4. Concernant la carte graphique, il s'agit d'une Intel Iris X Graphics de 2 Go associée au processeur. Et voici notre stockage en SSD NVMe de 1 Tera.
Bon, passons au premier benchmark. Pas la peine d'aller plus loin, on retrouve des très bons résultats pour la bureautique, mais moyens en 2D et 3D. Bien, maintenant passons à un deuxième benchmark qui lui se base plus sur les composants. Les résultats sont très parlants mais non représentatifs. Le gaming est catastrophique alors que la bureautique est géniale. Mais du coup, pourquoi ? Eh bien, il se base sur le meilleur score d'une carte graphique Nvidia RTX 5070 qui a elle seule et une fois et demi plus chère que notre mini PC. Comme vous pouvez le voir, les composants sont vraiment très bons, mis à part la carte graphique. Mais les scores de 83,6% pour le processeur, 337% pour le SSD et 101% pour la RAM. Et pourtant, comme vous allez le voir, ces composants sont vraiment très performants puisqu'il est possible de faire du gaming et de l'émulation. Bon, voilà ma conclusion. Après plusieurs jours d'essai, le EQi12 m'a honnêtement impressionné. À la base, c'est un mini PC taillé pour la bureautique, compact, silencieux et abordable. Mais dans les faits, il se montre bien plus polyvalent que prévu. Si je ne m'étais arrêté uniquement au résultat du benchmark, je vous aurais dit que c'était juste un bon mini PC fait pour la bureautique. Mais avec son processeur Intel, ses 32Go de RAM et ses deux emplacements SSD pouvant atteindre 8Tera, il offre une réactivité exemplaire aussi bien pour le travail que pour le multimédia. Niveau confort, c'est un vrai bonheur. Il reste quasiment inaudible grâce à une excellente gestion thermique. Les deux HDMI sont parfaits pour travailler sur deux écrans qui apportent un meilleur confort visuel. Côté connectivité, on retrouve Wi-Fi 6 double bande, Bluetooth 5.2 pour tous les périphériques sans fil et deux ports RJ45 permettant de séparer les réseaux internes et externes, parfaits pour la sécurité ou un petit serveur local. Et le plus étonnant, c'est ses performances. En émulation rétro gaming, Switch, Wii U, Xbox, PS Vita, Technoparrot ou même des jeux PC, bon, un peu anciens. Tout tourne fluide sans ralentissement notable. Alors oui, ce n'est peut-être pas une machine faite pour le gaming gourmand, mais la comparaison avec une RTX 5070 n'a pas vraiment de sens. Pour tout le reste, il s'en sort brillamment. Bon, en résumé, un mini PC compact, silencieux, complet et extrêmement polyvalent, idéal pour la bureautique, le multimédia et le rétro gaming, avec un rapport performance-prix vraiment difficile à battre. Bref, si vous cherchez une petite machine discrète, bien équipée et capable d'en faire beaucoup sans broncher, le EQi12 est une excellente surprise. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions concernant ce mini PC, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Comme d'habitude, on se retrouvera dans une prochaine vidéo, mais en attendant, je vous fais un Retro Kiss.
Hello everyone and welcome back to the MiniCake TV! Today I'll be reviewing one of Billink's mini PC, the EQi12. It is perfect for desktop usage and is really affordable. It has 32 gigs of RAM, an Intel i5-1235U CPU, as well as a 1TB SSD. Of course, we're gonna see that in this video, but before starting, make sure to leave a like, drop a comment, share, and subscribe. Let's get into the video. And as usual, let's start with, you guessed it, the unboxing. Inside the box, we first found the mini PC, which I'll get back to in detail in just a moment. Then there's a user manual available in 7 languages, the power cable, a quick guide in case you want to change the USB power settings, and an HDMI cable. Now let's take a look at the mini PC itself. Here is the power indicator LED, the on-off button, a USB Type-C port, the BIOS reset button, an audio jack output, and the first USB 3.2 port. On the back, we find 2 additional USB 3.2 ports, 2 HDMI outputs, 1 USB 2 port, 2 RJ45 Ethernet ports, the power connector, and the air exhaust vent. At the bottom, there are 2 slightly raised rubber feet that allow fresh air to circulate through the central ventilation grid. Here are the 4 screw covers, and here is the tab that will allow you to remove the bottom panel. To open the EQi12, first remove the screw covers. Then use a screwdriver to take out the screws. Inside, we can see the 2 RAM slots, and here is the PCIe 4.0 M.2 SSD slot. Also, under there, we have a space for an additional SSD. Indeed, the EQi12 supports up to 8TB of internal storage. Alright, here's a quick recap before we move on to the internal specs. Okay, so the EQi12 is powered by an Intel Core i5-1235U, a 12th gen Alder Lake CPU with 10 cores and 12 threads, boosting up to 3.19 GHz in turbo mode. It comes with 2 16GB DDR4 RAM sticks for a total of 32GB. For graphics, it uses an integrated Intel Iris Xe with 2GB of shared memory. And finally, the storage is handled by a 1TB NVMe SSD. Now let's move on to the benchmark. Well, no surprises there, it performs very well in office and productivity tasks, but scores only average in 2D and 3D performance. Now for another benchmark,
more focused on components shows some interesting but misleading results. Gaming scores are terrible, while office performance is excellent. But why? Because the comparison is made against an NVIDIA RTX 5070, a single graphic card that costs more than this entire mini PC. As you can see, the components are actually quite solid, except for, well, the integrated GPU. We're getting 83.6% for the CPU, 337% for the SSD, and 101% for the RAM. Excellent results for this category. And yet, as you will see, these components are powerful enough to handle gaming and emulation just fine. Here, I'm running Batisira on the EQi12, and while I share my conclusion, you will see gameplay footage from the Nintendo Switch, Wii U, Xbox, Windows PC Games, PS Vita, and TechnoParrot. Okay, so what's my conclusion? Well, after several days of testing it, the EQi12 actually surprised me. Originally, it's designed as a mini PC for office work, compact, silent, and really affordable. But in reality, it's far more versatile than it seems. If I had based my opinion only on benchmark scores, I would have said it's just, yeah, it's a good office mini PC. However, with its 12th gen Intel CPU, 32GB of DDR4 RAM, and dual PCIe 4.0 SSD slot supporting up to 8TB, it delivers excellent responsiveness for both work and multimedia. In terms of comfort, it's a real pleasure to use, almost completely silent thanks to great thermal management. The two HDMI ports are perfect for dual screen setups, offering a better visual comfort for productivity or creative work. And connectivity is excellent too. Dual band Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 for all your wireless devices, and 2 gigabit RJ45 ports to separate internal and external networks, ideal for data security or even a small home server, for example. But honestly, the most surprising part is its retro gaming and emulation performance. Switch, Wii U, Xbox, PS Vita, blah blah blah, even older games, everything runs smoothly without noticeable lag. Sure, maybe it's not meant for AAA gaming, but comparing it to an RTX 5070 just doesn't make sense. For everything else, it performs brilliantly. To sum it up, a compact, silent, and highly versatile mini PC, perfect for office work, multimedia, and retro gaming, offering an excellent price-to-performance ratio. So if you're looking for a small, quiet, and well-equipped machine that can handle just about anything you throw at it, the EQi12 is a fantastic surprise. And that's it for this video, I hope you enjoyed. If you have any questions, make sure to leave them in the comments, I will gladly answer them. Of course, we'll see each other in another video, but as always, in the meantime, Retro Kiss!